Un prix et surtout une belle récompense pour le jardin partagé situé au cœur du quartier du Sanitas à Tours. Quelque peu impressionné, Bernard Marot, président du comité régional de la Fondation de France, est venu sur place décerner un laurier. Ce projet qui s'appelle très joliment d'ailleurs Jardin partagé nous a paru exemplaire, qui nous a paru pouvoir être diffusé, repris par d'autres, que c'est une bonne idée. Le jardin partagé du Sanitas a été créé en mars 2011. Il permet de créer un lien entre les habitants et de lutter contre l'isolement. Pour le président de Régiplus, l'organisme qui gère le jardin, ce prix récompense avant tout les habitants. C'est un grand honneur et certainement un moment d'émotion pour tous ceux qui ont contribué à ce projet, qui n'était pas évident, au cœur du quartier du Sanitas, faire travailler ensemble des habitants sur un projet de jardin dit partagé. Le jardin est divisé en 10 parcelles, destinées à 10 familles ou personnes vivant seules. Une 11e parcelle est dite collective. La production est bio et le surplus est partagé entre les habitants. Plus qu'un jardin, un symbole de fierté. On donne une épreuve comme quoi dans une cité, on ne peut pas produire que de la délinquance, on peut produire des trucs sains. On apprend beaucoup de l'autre et puis jamais, on n'est jamais seul. Tout le monde nous aide, c'est formidable. Cette initiative n'est encore qu'une graine. D'autres projets de ce type devraient prochainement germer dans d'autres quartiers de Tours.